Ouais, le fils du sénateur, ensuite là c'est une autre mission qu'on a fait, c'est tuer un capitaine et son escouade. Bah, c'est second. Thanks. En gros, il détenait des photos compromettantes aussi, je crois, et il faisait du trafic de drogue. On the table by the bathroom. Ah, ça c'est réglé. Bonjour 47. Un contrat de plus pour notre client du Mississippi. Margot Leblanc a épousé le chef des Blue Claws. Ils se sont déjà unis civilement, mais une cérémonie privée est organisée pour les amis et la famille. Possibles sont le marié et le père de la mariée. Absolument aucun mal ne doit être fait à la mariée. Et merci du faux. Ah bah merci du raid, Morfest. Bienvenue à toi et tes viewers. Salut à tous. Meilleurs voeux à vous, les viewers. Et bienvenue pour cette run sur Hitman Blue Moon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? On va prendre des Silver Baller, les pistolets légendaires de Monsieur 47. Salut Fano, bienvenue à toi. Et aux autres viewers, bienvenue. Alors, notre pistolet est équipé ou pas, optimisé, ouais. On n'oublie pas de les embarquer. Et... merci Morphe, ça doit également repérer. Ce qui est compliqué. Oh, attends. Donc on va attendre que notre ami Pimpèche malade arrive. Ah, je sais pas c'est qui tu disais pour la voix sympathique, mais bon, on va voir. Je vais voir un peu qui c'est qui est là pour ceux qui sont restés. Alors, nous avons Artag, bienvenue. 1-1, Mitrandir, Tom-Tom toujours présent. Et il y a des bots aussi qu'il faudrait que j'arrive à éliminer plus tard. Ça, c'est un autre débat. Alors, là, le plan, c'est d'attendre que Monsieur Torché arrive. Donc, je vous rappelle évidemment que l'alcool, c'est toujours avec modération, ou pas. On va attendre. Ah oui, il a une voix... oui. Ça, en plus, figure-toi que là sur Steam, le jeu est en anglais. C'est tout en anglais, j'ai aussi un patch FR. Donc, mais par contre, dans les cinématiques, t'as les sous-titres en français, mais t'as pas les voix en... T'as pas les voix. C'est en anglais, non. Oh, je suis trop bourré. Le verre de temps. Ça me prendra à picoler comme un truc. Ah bah c'est cool Mitrandir là. Il va faire un somme notre ami, donc là on va le dépouiller. Hein. Alors on va déjà prendre l'invitation. On va prendre le 6 coups. Et le costume d'invité. Cette cloche là, elle veut dire quelque chose, je pense. Donc là, on a les gardes, donc c'est la garde personnelle des mecs. Alors, attends. Est-ce que je tente le grid? J'arrive à trouver des chiottes, je suis bien. Je le place dans les chiottes. Hop, je vais poser le corps. Est-ce que je peux fermer la porte? Non, parce que le corps gêne, encore une fois. Ça a été un peu mal foutu, la physique est là. Ouais, ça passe. Hop. Un corps, vous avez dit? Je récupère le fusil, mais je vais pas tirer avec.
On est au toit ici. Oh, on va poser une petite bombe. J'ai peut-être une idée de soirée de mariage explosive. Yeah. On patrouille tranquillement. Fait notre PNJ quoi. On crochette encore une serrure ici. Donc là on est. Ok, on est en face, d'accord. Qu'est-ce que je fous dans le placard moi? Je suis pas encore bon à mettre au placard, hein, oh. Oh le fusil éléphant. Oui mec, ça gaze. Non, t'es fou toi. On va éviter de crocheter les serrures parce que hein, bon, même si on a un bonus de 50% avec notre matériel. Non, non. Putain. Dis-moi qu'il y a une porte d'ouverte là. Ok. Zone restreinte, ça me plaît. Bon, ça c'est fait. Ok, et de deux. Donc là, l'idée c'est d'avoir éliminé le père. Bonjour 47. Un contrat de plus. Oh, ils sont sur le mur, je sais pas. Tom Tom, c'est peut-être de la sauce tomate. Hein. Donc là c'est la petite hôtel pour le mariage de tout à l'heure. Alors on va voir. Ils sont où les mariés là? Et que fait le marié aussi, genre? Si je parle avec elle, elle va me griller ou pas? On s'amuse vraiment bien. Ah merde, je suis coincé, ça c'est chiant. Est-ce que si je discute avec... Non. On garde, non, je peux pas parler, d'accord. Bon, il est où le mari? Ah, il est là. Oh, à mon avis, il y en a qui vont avoir une petite surprise à un moment, vous allez voir. Pour ceux qui ont vu, j'ai passé une bombe tout à l'heure. Alors vite. Eh hey jackpot. Alerte, alerte, au secours. Bon, on n'aura rien vu, hein. Bon, maintenant. Oh merde, le serveur aussi est passé le pauvre. Bon. Je pense que cette mission s'est bien passée globalement par le kill de l'autre là. Maintenant il faut se barrer. Donc je crois que je suis sur la bonne direction. Allez, on rentre chez nous. Contrat accompli. Alors, une victime, 4 coups tirés. Bon, deux encaissés, ça va. 3 accidents, un tir en pleine tête. Ah, il y a un témoin là, merde. Bon. On va le corrompre pour 50 000. Ni vu ni connu, je ne vois pas de qui vous parlez. Alors, spécialiste avis de recherche. Papy Leblanc est retrouvé mort. La police pense qu'il s'agit d'un tueur à gage. Non, sans blague. Au Mississippi, le 18 février 2005. Pardon. La police locale a confirmé que ce matin qu'un homme d'affaires local, Papy Leblanc et son futur gendre, Anclench, ont été tués. Ont été tués lors d'une violente altercation ainsi qu'une autre victime. Un agent de sécurité qui travaillait pour eux a également été retrouvé décédé. La police ne donne pas la priorité sur l'enquête des gardes armés et agents de sécurité. C'est honteux quand même. Hein. Les employés ont le droit de mourir, mais on s'en fout du reste.
La police ne donne pas la... Ouais. Les enquêteurs signalent également que 4 coups de feu ont été tirés par l'assassin, d'accord. Le profil du coupable. Une arme silencieuse a été détectée. Les enquêteurs savaient le fait a été exactement exécuté au cours d'un tir dans la tête. La police locale est en train d'interroger un témoin qui a pu s'échapper. Le témoin décrit le tueur comme un véritable caméléon, car il a pu pénétrer dans une zone interdite sous couvert d'un déguisement. La police n'a aucune information sur l'apparence du tueur, mais on sait que c'est un homme. John Papy le Blanc était un véritable personnage dans le Delta. Sa réussite ne lui avait pas fait oublier ses racines. Il possédait à la fois le charme, le véhicule, le bon sens des paysans et un redoutable sens des affaires. La plupart de ses amis et de ses proches ont reconnu en Papy, qui n'avait plus toutes ses facultés depuis quelques temps, mais tous ont précisé qu'il ne fallait surtout pas le sous-estimer. On va lire l'article. La veuve, le jour de son mariage, la dure épreuve d'une femme. Paradis. Margot Leblanc avait tout pour être heureuse. Elle était belle, intelligente. Son père était l'un des hommes d'affaires les plus riches de la région. Et elle était fiancée à un beau jeune homme à l'avenir très prometteur. Mais tout a soudain changé. Le plus beau jour de sa vie s'est transformé en plus horrible des cauchemars. Désolé, je me marre, mais... Son père est mort. Et ce jour-là, ainsi que son futur époux, elle ne serait d'ailleurs jamais devenue sa femme s'il n'avait pas décidé de se marier en secret devant le sous-préfet avant la cérémonie officielle. La veuve est pleureuse, n'est pas réapparue depuis ce jour. On prétend qu'elle s'est tellement rongée par le sagan qu'elle vend tous les biens de son père et de son mari pour quitter ensuite définitivement sa région. Mais nul ne sait où il pourrait bien aller. Ah bah punaise. Ouais, ouais, tout à fait, Fano, ça dépend. Si tu le tues par exemple avec une corde, la corde d'assassin que j'utilise de temps en temps, ça va changer. Ça, c'est vraiment bien fait sur le journal. J'aimais bien sur les anciens Hitman, tu vois. Enfin, sur celui-là surtout. Bon, on va tracer encore un peu. Et que...